Hey! Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anime Time. Aujourd'hui, sur Mika Kunin des Shinkukai! En deux petites minutes. C'est court, mais bon, voilà, j'ai voulu le présenter parce que beaucoup de gens l'ont aimé. Alors, le jour de son 16e anniversaire, Kobeni Yonomori apprend qu'elle est fiancée à Ayu Akuya Mitsumine, qui a le même âge qu'elle, mais qu'elle ne connaît pas. Du moins, pas encore. Ce dernier emménage peu après chez elle, avec sa petite sœur Mashiro, encore élève en primaire. La grande sœur de Kobeni, Benio, complète cette famille qui va devoir apprendre à cohabiter. Donc mettez-vous à la place de Yonomori. Imaginez que si vous êtes une fille, qu'un gars vient, que c'est le fiancé qui emmène sa sœur et que vous allez devoir vivre ensemble. C'est un peu complexe et compliqué. Les situations peuvent très bien aller dans... avoir de bonnes situations comme de très très mauvaises. Donc voilà, ça vous indique un peu le contexte. Donc Mika Kunin des Shinkukai est un animé décomposé en 12 épisodes de 25 minutes environ chacun, qui nous vient du Japon, diffusé en 2014, donc cette année, par le studio d'animation Doka Kobo. Le créateur original est Arai Sherry, le réalisateur est Fujiwara Yoshiyuki, et les musiques sont composées par Ishikawa Jun. Qui a également composé celle de CO Cube, je crois. Dedans, vous retrouverez de l'amour, de la romance, de la comédie, de la tranche de vie et de l'école. Voilà, donc en fait, ça fait 1 minute 30, donc j'ai encore 30 secondes, donc je vais profiter pour parler de l'émission Anime Time. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, c'est toujours la même chose. Alors, c'est fait exprès, c'est normal. Pour moi, c'est très répétitif pour ceux qui me suivent aussi. Mais en fait, c'est pour que quand quelqu'un se tombe dessus, eh ben, qu'il voit des Anime Time, il dit « Ah, tiens, ça a l'air cool, vas-y, on va regarder pendant 2-3 minutes. » Et c'est après pour donner envie. Mon unique but, c'est de vous donner envie. C'est pas d'avoir de grandes espérances pas la suite. Donc voilà, j'espère que cette Anime Time vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine fois.